Quand on pense à Brad Pitt, on pense aussitôt à Jennifer Aniston ou à Angelina Jolie, mais pas vraiment à Christina Applegate. Et pourtant, les deux acteurs sont sortis ensemble en 1988, alors qu'ils étaient tous les deux au début de leur carrière respective. C'était bien avant que l'actrice ne devienne la star de la série Dead to Me, diffusée sur Netflix. À l'époque, elle jouait dans la série Mariée, deux enfants, et CST sur le tournage où Brad Pitt était invité qui l'ont eu un coup de foudre. Au moment de leur idylle, la jolie blonde avait 18 ans, et le BFF de George Clooney, 25 ans. Ils se sont fréquentés pendant un an et ont multiplié les apparitions ensemble sur les tapis rouges, pour le plus grand bonheur des paparazzi. Alors qu'ils semblaient heureux et amoureux, et après être apparus ensemble à la cérémonie des MTV Music Awards, en 1989, Christina Applegate a plaqué Brad Pitt pour partir avec un autre homme. Si elle n'a jamais dévoilé l'identité de celui qui l'a poussé à larguer l'acteur américain, le rocker Sebastian Bach, du groupe Skid Row a assuré qu'il était responsable de la rupture, et que l'actrice l'avait rejoint au beau milieu de la nuit, peu de temps après la remise des prix. Brad Pitt a-t-il retrouvé l'amour ? Quelques mois après sa rupture avec Christina Applegate, Brad Pitt a trouvé du réconfort dans les bras de Jay Daly, puis de Gina Davis qu'il a rencontré sur le tournage de Thelma et Louise, en 1991. Puis, son cœur s'est emballé pour Juliette Lewis, en 1993, et pour Gwyneth Paltrow en 1995. Après ces deux histoires, il raconte avoir vécu une brève idylle avec Claire Forlani qui fut sa co-star dans le film Rencontre avec Joe Black, avant de rencontrer Jennifer Aniston en 1998, qu'il a épousée en 2000. La suite, tout le monde la connaît, il est tombé sous le charme d'Angelina Jolie sur le tournage de Mr. et Mrs. Smith pour qui il a divorcé de Rachel. Entre adoption et naissance, il est devenu le papa de 6 enfants et a épousé une J en 2014, en France. En 2016, à la surprise générale, le couple annonce vouloir divorcer. Depuis, l'acteur américain ne cesse de plus afficher dans les bras de personne, mais les rumeurs sont nombreuses.